On va immédiatement passer à la, à la présentation suivante de, de Razmik Cheyan, euh, qu'il a intitulée Marx et Stuart Hall dans l'Anthropocène. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je suis euh, ravi de participer à ce colloque. On, on m'entend, ça va Le titre que j'ai proposé pour euh, cette intervention, donc Marx et Stuart Hall dans l'Anthropocène, c'est une sorte de provocation, disons, de provocation raisonnable, une petite provocation, une invitation à, à réfléchir. Elle consiste à affirmer une manière de revenir sur l'histoire croisée des cultural studies et des marxismes et surtout de s'interroger sur leur futur et de partir de la question ou de la problématique environnementale de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui l'anthropocène. Je voudrais m'interroger en particulier sur la façon dont deux concepts centraux de ces deux traditions de pensée, le concept de classe et le concept de race, interagissent avec la variable environnementale. Et cela me permettra de revenir sur certains épisodes de l'histoire des marxismes et des cultural studies et surtout d'essayer d'imaginer ce que l'avenir de ces relations pourrait être. D'abord, une petite introduction, un petit cadrage. Dès les origines de l'époque moderne, les dynamiques de classe, de genre et de race sont étroitement liées à la nature ou à l'environnement. L'accès aux ressources naturelles, en particulier, n'est pas équitablement réparti entre catégories de la population, ce qui donne lieu à ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler des inégalités environnementales, des inégalités écologiques. Les inégalités environnementales se définissent par l'accès inégal aux ressources naturelles, eau, bois, charbon, mais aussi par l'exposition différenciée des différents groupes sociaux aux risques ou aux nuisances environnementales, comme par exemple les pollutions ou les catastrophes naturelles et ou industrielles. Ces inégalités environnementales elles existent depuis le début de l'époque moderne, mais la prise de conscience croissante du changement climatique tend à les visibiliser de plus en plus, à les rendre de plus en plus visibles. Cette visibilité croissante des inégalités environnementales l'invite à repenser la question de l'intersection, de l'intersection de la classe, du genre et de la race à l'époque moderne, et à y ajouter la dimension de la nature ou de l'environnement. Les théories de l'intersectionnalité connaissent depuis plusieurs décennies, évidemment un succès important, notamment dans les sciences sociales. Elles visent ces théories à analyser la manière dont différentes formes d'inégalités à l'œuvre dans les sociétés modernes, et notamment les inégalités de classe, de genre et de race, interagissent les unes avec les autres, donnant lieu à des effets cumulatifs dans certains cas, mais permettant aussi, dans d'autres cas, de faire surgir des espaces d'autonomie pour les individus concernés. Or, et c'est le point important, me semble-t-il, la nature ou l'environnement constitue le grand impensé des théories de l'intersectionnalité. A ma connaissance, aucune des principales conceptions de cette notion ne prend en considération la dimension environnementale ou écologique des inégalités dans son interaction complexe avec les trois autres dimensions que j'ai évoquées. C'est un pensée problématique pour au moins deux raisons, me semble-t-il, que j'énonce rapidement. La première est que penser l'intersection de la classe, de la race, du genre et de l'environnement permet de projeter un éclairage original sur la dynamique globale des inégalités dans le système capitaliste, pour des raisons qui ont trait à la fois à l'histoire du marxisme et à celle du mouvement ouvrier. La variable environnementale a jusqu'à récemment souvent été reléguée à l'arrière-plan des théories du monde social, qu'elles soient à prétention scientifique ou politique. En m'appuyant en particulier sur deux situations historiques, j'essaierai de donner à cette variable environnementale une place centrale. Et ces situations historiques me permettront notamment de montrer que l'intersection de la classe, de la race et de l'environnement, je laisserai de côté la dimension de genre faute de place, eh bien peut être repérée à l'époque moderne dans des contextes très variés. La seconde raison, c'est que comme le reconnaît le cinquième rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le fameux GIEC rendu public l'an passé, avec le changement climatique, les inégalités environnementales vont se creuser dans les décennies à venir, aussi bien à l'échelle internationale qu'à l'échelle de chaque État-nation. Comprendre les transformations que subira la dynamique globale des inégalités dans ces différentes dimensions, dans un contexte de crise environnementale, est en ce sens impératif, pour des raisons aussi bien théoriques que politiques. Voici une première situation historique où apparaît l'intersection de la classe, de la race et de l'environnement. En 1842, le jeune Karl Marx publie dans la gazette Rénane une série d'articles fameux consacrés au vol de bois. Ces textes réagissent à un débat portant sur la régulation de l'accès aux forêts en cours à l'époque, à la diète rénane. Les autorités souhaitent mettre un terme à l'appropriation, désormais considérée comme illégale, de certaines ressources forestières par les classes subalternes. Dès le XVIIe siècle, un aspect déterminant de la lutte des classes concerne la délimitation des communs, de ce qui est librement appropriable par les subalternes et de ce qui au contraire est sujet au droit de la propriété privée. Voici ce que dit le philosophe Daniel Ben Saïd dans une préface à ses fameux articles de Marx sur le vol de bois. Je cite, La distinction moderne entre privé et public et son application au droit de propriété est bien l'enjeu qui se profile derrière le débat de la diète sur le vol de bois. L'importance quantitative du vol de bois illustre à la fois la vigueur des pratiques coutumières du droit d'usage et la pénalisation croissante de ces pratiques par la société capitaliste en formation. Cette période de transition représente donc un moment décisif dans la redéfinition des rapports de propriété. Fin de la citation. La question de la nature et de ses usages se trouve au cœur de la construction moderne du privé et du public, c'est-à-dire de la consolidation de la propriété capitaliste et l'émergence d'un droit qui le concerne. Et cette construction est bien sûr l'objet d'une lutte entre classes sociales. Les paysans n'hésitent pas à contester cette politique d'endiguement qui est mise en œuvre par l'État. Exemple parmi d'autres, en 1829, a lieu en Ariège la guerre des Demoiselles, une rébellion paysanne qui prend pour cible les propriétaires terriens et les gardes forestiers en particulier. Cette révolte, elle tient son nom du fait que les paysans s'étaient déguisés en femmes afin de surprendre leurs adversaires. Les années 30 et 40 du 19e siècle, plus généralement, sont le théâtre de violences récurrentes envers les gardes forestiers. Et c'est particulièrement le cas lors de la révolution de 1848, dont cette dimension est souvent méconnue. Les gardes forestiers sont bien sûr le symbole de la pénalisation croissante de l'usage des forêts dont parle Daniel Ben Saïd. Un premier front pour l'appropriation des ressources naturelles traverse donc la métropole. Ce premier front voit s'affronter d'un côté les classes subalternes, paysannerie en tête, et de l'autre les propriétaires terriens et l'État. Après Marx, d'autres penseurs inspirés par ces analyses proposeront des généalogies de ce front. Et c'est bien sûr notamment le cas de E.P. Thompson, Edward Palmer Thompson. Dans Wigs and Hunters, première édition 1975, Thompson s'interroge sur la jeunesse du Black Act, qui en 1723 punit de la peine de mort des actes jusque-là tolérés, mais désormais définis comme des atteintes à la propriété privée des ressources naturelles, bois, fruits, animaux destinés à la chasse, etc., L'histoire étudiée par Thomson se déroule en Angleterre un siècle avant celle qu'évoque Marx. Dans le sillage d'IP e. Thompson, certains historiens et historiennes, notamment Caroline Ford, ont remarqué qu'à cette époque, un second front sépare la métropole des colonies. En métropole, en France notamment, la nature est connotée de plus en plus positivement au XIXe siècle. Dans les forêts s'incarne la mémoire collective de la France, qui rattache le temps présent aux étapes glorieuses de l'histoire nationale. Les forêts sont de plus en plus considérées comme étant partie intégrante de l'histoire de France. La notion de patrimoine émerge à cette époque, et elle s'applique aussi bien à la nature qu'à des objets artefacts culturels. En ces temps de troubles révolutionnaires, depuis la fin du XVIIIe siècle, c'est l'ère des révolutions décrite par Eric Hobsbawm, les forêts constituent un havre de stabilité, et elles sont également exploitées à des fins économiques ou militaires. C'est pourquoi se multiplient les mesures permettant leur conservation. Dans les colonies, les forêts sont également l'objet de politiques de conservation, mais pour des raisons différentes. Comme l'écrit un agronome et colonisateur de l'Algérie de l'époque, un certain François Trottier, dans un ouvrage qui est significativement intitulé Reboisement et colonisation reboisement et colonisation, 1776, je cite C'est par le reboisement que notre race conservera ses, fa ses facultés européennes. C'est par le reboisement que notre race conservera ses facultés européennes. Fin de la citation. La dégradation de la nature est perçue par Trottier et par d'autres comme une menace pour la civilisation. L'environnement forgeant le caractère, sa détérioration conduira nécessairement à un affaiblissement de ce dernier, du caractère. Certains historiens ont parlé à ce propos d'orientalisme climatique. L'idée est la suivante. La supériorité des races européennes est liée, entre autres, à leur capacité à prendre soin de leur environnement. L'environnement, en retour, exerce une influence positive sur le caractère des Occidentaux. A l'inverse, les populations entre guillemets orientales laissent leur environnement se dégrader, ce qui est à la fois un symptôme et une cause de leur dégénérescence ou celle de leur caractère entre guillemets. Au cours du XIXe siècle, l'intersection de la classe, de la race et de l'environnement doit donc principalement être conçue en lien avec deux processus. D'abord, je l'ai dit, la consolidation de la propriété privée. Et la généralisation de ce que Siby Macpherson a appelé un individualisme possessif. Cet individualisme a pour condition l'appropriation par les classes dominantes de portions croissantes de nature et par là même l'exclusion des classes subalterne, subalternes de la jouissance coutumière du droit d'usage de la nature. La lutte des classes prend place dans la nature, elle a notamment pour enjeu les ressources que la nature renferme. Et l'environnement joue donc un rôle important dans la construction historique des classes sociales et de leur antagonisme, un constat sur lequel Hippie Thompson et la tradition Thomsonienne notamment, ont attiré notre attention. Au XXe siècle, l'intersection de la classe, de la race et de l'environnement se manifeste dans des contextes très variés et selon des modalités à chaque fois spécifiques. Et voici une seconde situation historique très éloignée de la première où cette intersection peut être repérée. On se situe cette fois dans les années 80 du XXe siècle, donc aux États-Unis, au moment où naît le mouvement pour la justice environnementale. Alors voici le contexte et la définition de mouvement pour la justice environnementale. À l'automne 1982, les habitants du comté de Warren, dans le nord-est de la Caroline du Nord, se sont mobilisés pendant plusieurs semaines contre l'installation d'une décharge de déchets toxiques dans leur voisinage. Quatre ans plus tôt, une entreprise de gestion des déchets industriels avait entreposé illégalement dans cette région d'importantes quantités de biphényl polychloré, le BPC, qui est une substance utilisée notamment dans les transformateurs électriques et la peinture. Une fois ces déchets découverts, l'État décida d'acquérir un terrain pour les y enfouir, cette fois légalement. Les résidents du lieu choisi s'y opposèrent, craignant donc pour leur santé, le fameux BPC étant une substance, substance cancérigène. Ils entamèrent une action en justice afin d'empêcher que les déchets soient entreposés à cet endroit. Deux ans plus tard, le tribunal du district rejette leur requête. Et c'est alors que la protestation prend une forme plus extrajudiciaire. Manifestation, sit-in, boycott, désobéissance civile, marche, coupure de route, etc. Au départ, les arguments avancés par les protestataires avaient trait à la pollution de l'environnement, eau, sol, etc. par le BPC et aux risques qu'il présente pour la santé. Cependant, à mesure que le mouvement s'élargit et à mesure qu'il devient plus directement politique, ces arguments changent de nature. Si l'État choisit d'enfouir ses déchets toxiques à cet endroit-là, faisaient remarquer les résidents, c'est parce qu'ils vivent des Noirs, des pauvres et surtout des Noirs pauvres. Autrement dit, la décision d'installer la décharge a un fondement raciste et un fondement de classe. À l'époque, en effet, le comté où les déchets devaient être enfouis par l'État, était composé à 65% de noirs et la région immédiatement à proximité de la décharge l'était à hauteur de 75%. Les protestataires faisaient remarquer que cette injustice dans la localisation des déchets toxiques avait cours non seulement en Caroline du Nord, mais aux États-Unis plus en général, et ceci depuis la fondation du pays. Dans ses politiques de gestion de l'environnement et des ressources naturelles, l'État favorise systématiquement les populations blanches et les classes moyennes et supérieures, qu'il préserve donc de ce type de nuance à l'inverse les minorités à savoir non seulement les noirs mais aussi les amérindiens les hispaniques et les asiatiques ainsi que les pauvres bien sûr assument la plus grande part des conséquences négatives de la production industrielle. aujourd'hui encore on constate par exemple que les amendes pour traitement non conforme des déchets s'élèvent aux états unis à cinq fois plus dans le cas où elles sont proches de quartiers blancs que lorsqu'elles sont proches de quartiers noirs ou hispaniques. L'action protectrice de l'État dans ce domaine n'est donc pas la même selon les catégories de la population qui sont concernées par ces déchets. Cette discrimination raciale et de classe n'est pas forcément intentionnelle de la part des pouvoirs publics, même si elle l'est souvent. Elle a un caractère systémique, c'est-à-dire qu'elle procède d'une logique en partie indépendante de la volonté des individus. Cet épisode de Warren County que je viens de vous raconter, c'est l'acte de naissance du mouvement pour la justice environnementale. C'est le point de départ d'un cycle de protestation de longue durée, dont l'une des expressions est née aux États-Unis, mais qui dispose d'importantes ramifications internationales, et dont la principale caractéristique est de mettre en rapport le social, c'est-à-dire classe, genre, race, et la nature ou l'environnement. Le mouvement pour la justice environnementale porte sur l'environnement en général, gestion des déchets toxiques, mais aussi pollution diverse, catastrophes industrielles ou naturelles. Accès aux ressources naturelles, aux énergies, euh, etc. Ce mouvement pour la justice environnementale est issu non du mouvement écologiste, mais du mouvement des droits civiques. C'est un point crucial. Le mouvement des droits civiques. Il constitue ce mouvement une bifurcation inattendue du mouvement des droits civiques survenu dans les dernières décennies du XXe siècle, à une époque où ce mouvement est en relative perte de vitesse. Comme le mouvement des droits civiques, il se développe d'abord dans le sud des États-Unis. Pour ne se diffuser à l'ensemble du pays que dans un deuxième temps. Et les modes d'action qu'ils mettent en œuvre sont directement inspirés de ce mouvement des droits civiques. Citine, boycott, marche, coupons de route constituent en effet la marque de fabrique du mouvement des droits civiques, comme vous le savez. Ce mouvement pour la justice environnementale est également le point de départ d'un cycle d'élaboration intellectuelle fécond, en prise directe avec lui. En 1987, dans le sillage des événements de Warren County et d'autres mobilisations du même type, paraît une étude qui fait grand bruit, intitulée Toxic Waste and Race in the United States, déchets toxiques et races aux États-Unis. Et cette étude, elle établit pour la première fois analytiquement ce que les manifestants de Caroline du Nord avaient observé sur le terrain, que la race est un facteur explicatif et dans bien des cas le principal facteur explicatif de la localisation des décharges toxiques aux États-Unis. Cette étude a été commandée par une église progressiste noire, dénommée United Church of Christ, qui était déjà très active dans le mouvement des droits civiques dès les années 50. Cette étude de l'United Church of Christ met en évidence l'existence d'un racisme environnemental, environmental racism aux États-Unis et ailleurs. Ce concept, promis à une importante postérité, donc racisme environnemental, apparaît dans cette étude pour la première fois. Il affirme ce concept qu'en plus d'autres formes de racisme, eh bien, les Noirs subissent un environnement dégradé, plus dégradé que les autres. Cette notion de racisme environnemental, elle a été forgée par deux théoriciens, ou deux théoriciens praticiens. D'abord par Benjamin Chavez, qui a coordonné le rapport sur le lien entre la race et les déchets toxiques, et qui était à l'époque directeur de la Commission pour la justice raciale de United Church of Christ. Chavez est une figure du mouvement des droits civiques, il a été notamment un compagnon de route de Martin Luther King, et il a également présidé dans les années 90 la National Association for the Advancement of Colored People, NAACP, qui est, comme vous le savez, l'organisation fondée par WEB Du Bois au début euh, du XXe siècle. Et donc Chavez incarne donc une sorte de continuité existant entre le mouvement des droits civiques et la question de la justice environnementale. Le deuxième créateur de cette notion de « environmental racism », c'est un sociologue vivant encore, Robert Bollard, qui est aujourd'hui professeur de sociologie à l'Université de Southern Texas et qui a subi, lui, deux influences. La première, c'est également W.E.B. Du Bois. Et la seconde influence, c'est la sociologie urbaine de type École de Chicago. À ma connaissance, il n'y a pas de référence directe de Bollard à E.P. Thompson, à Marx ou aux cultural Studies, mais il retrouve certaines de, de leurs préoccupations par ses propres moyens, en quelque sorte, par ses propres... Je conclue. Les inégalités environnementales que j'évoque en général, et le racisme environnemental en particulier, renvoient, je crois, à une idée simple mais cruciale aujourd'hui. C'est que le capitalisme à la fois suppose et génère des inégalités dans le rapport à l'environnement des individus et des groupes d'individus, genre, classe, race en particulier. Si, comme le dit Marx, le capital est un rapport social ou une relation sociale, eh bien cette relation intègre à sa logique la nature ou l'environnement. En somme, L'intersection entre la classe, la race et le genre doit être aujourd'hui complétée par une quatrième dimension, me semble-t-il, qui vient la compliquer, en même temps qu'elle est elle-même compliquée par les trois autres. Et cette quatrième dimension, c'est la nature ou l'environnement. La nature, entre guillemets, possède évidemment elle-même une ontologie problématique, qui ne se conçoit que dans un rapport dialectique avec les trois autres dimensions. L'ordre et la prépondérance causale de l'une ou de plusieurs de ces logiques sont à chaque fois spécifiques. Parfois, les inégalités écologiques se mêlent à d'autres, au point qu'elles se distinguent difficilement d'elles. Dans d'autres cas, elles expliquent d'autres inégalités, comme lorsque ce qui apparaît de prime abord comme des inégalités ethniques, entre guillemets, est en réalité sous-tendu sous par des inégalités environnementales. Dans d'autres cas encore, elles aggravent des logiques inégalitaires qui trouvent leur origine ailleurs. Mais le point crucial, me semble-t-il, et c'est ce que j'ai essayé d'illustrer, c'est que... Avec l'aggravation de la crise environnementale, l'entrée dans l'Anthropocène, la construction d'un cadre conceptuel qui permet d'appréhender la dynamique globale des inégalités et des discriminations est une tâche urgente. Et comme souvent dans ce genre de cas, cela suppose de relire l'histoire à partir de problématiques contemporaines et même de la relire à partir de problématiques futures, c'est-à-dire un futur où les luttes de classe seront de plus en plus inextricablement mêlées à des processus naturels. Il me semble que l'entrecroisement des écrits de Marx sur le vol de bois, de Thomson et des Thomsoniens sur le lien entre lutte des classes, colonialisme et nature, et de la tradition de la justice environnementale, et bien, est un point de départ fécond pour commencer ce travail. Merci. Merci beaucoup.